Good morgen, allez, Iden et Tussra aujourd'hui, les Lunishmat, Richard Aaron, Ben Fortuné Mazal et Claude Yitzhak, Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aussi déjeuner une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Shkalim Parizain, Mishnah Dalet. Behema, Shenimtset, Mirushalaim, Vad Migdal Eder, Uchmidata le Chol Ruach, Zharim, Olot, Nekevot Zifre Shlamim, Rabiuda Omer, Araoui le Psachim, Psachim, Araoui le Psachim, Psachim Kodem la Regel, Shloshim Yom. On continue bien sûr dans notre Mishnah à découvrir les conduites adoptées lorsqu'on a un doute, on a une situation qu'on est obligé d'interpréter pour savoir et fixer une définition halakhique. Soit, maintenant on va parler d'une behema chez Nimset Mirushalayim Vad Migdal Eder. Dans la Mishnah précédente, on a parlé des behemoth, des animaux qu'on trouvait à l'intérieur d'Yerushalayim, dans la Hazara, la viande qu'on trouvait, comment il fallait se conduire. Est-ce que dans le doute on supposait que c'était la viande kadosh, pas kadosh, comment se conduire? Maintenant, on va s'intéresser à une BMA, un animal vivant, qui se trouve chez Nimtset Mirushalayim Vad Migdal Eder, qui se trouve entre Yerushalayim et Migdal Eder. Migdal Eder, c'est une ville à proximité d'Yerushalayim, et Uchmidata l'Ekol Ruach, et cette même distance à la ronde, soit il y a un kilomètre, vous faites un kilomètre à la ronde autour d'Yerushalayim, dans toute cette zone-là, tout ce paramètre-là, on trouve une. Un animal, ça peut être un agneau, un mouton, une brebis, une vache, un taureau. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? La Mishnah me dit comme ça. Alors, il y a un grand problème. La Mishnah, elle s'explique assez simplement si on suit le Barthénois. Le problème, c'est que la Gemara, elle n'explique pas comme ça. Le Barthénois, il n'a pas été fidèle à la Gemara, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on va commencer par expliquer sur le Barthénois, après je vous ferai une petite synthèse de ce qui se passe dans la Gemara. Donc, je trouve un animal et je veux savoir qu'est-ce qu'il est. Maintenant, on a le même principe. Tout ce qui se trouve à proximité du Rochanaïm, c'est de la viande kadosh. En général. Parce que à Yerushalayim, les gens mangent quasiment que des kochim, étant donné que bon, c'était ce qu'il y avait le. Ouais, tout korban, on pouvait, même si on voulait, on n'avait pas fait de avérot, ni rien du tout, on voulait même manger un korban, on apportait chez la mime, on apportait des parts pour le misbéach, un peu pour le koanim, et on gardait tout le reste pour nous. Ça coûtait pas grand chose, en question dépenses, par rapport à la grande mitzvah que c'était de faire des korbanot, la fierté et la simra de manger des viandes kadosh. Donc on mangeait essentiellement de la viande kadosh, donc tout animal qui traîne, dans le doute, on soupçonne que c'est un animal kadosh. Maintenant, quel type de mdoucha? Alors, si c'est olot, et si c'est zharim, si c'est un mâle, tout d'abord, alors on va supposer que c'est un korban ola. Et si c'est nekevot, alors zivre shlamim. Et si c'est une femelle, alors ce sera des shlamim. Si vous faites attention dans le premier Vaïkra, Imola, Korbano, Minabakar, Zachar, Tamim, écrivez-nous. Comme ça, on commence le livre de Vaïkra, que s'il veut apporter une Ola, il doit apporter un Zachar, Tamim, écrivez-nous, il doit apporter un Zachar, un mâle. Tandis que pour les Shelamim, c'est Zachar, Onekeva. Regardez dans le psukim de Vaïkra, Perek Aleph, Perek Bet. Et donc, du coup, on a que, dans le doute, on suppose qu'un mâle, il est Ola, et une femelle, elle est Shelamim. Bien qu'il y ait un petit problème, c'est que pour les Shelamim aussi, on pouvait apporter aussi un mâle. La Torah ne nous a pas dit d'apporter qu'une femelle. Dans le khatat, il faut porter qu'une femelle. Mais si c'est un shlamim, on peut porter soit un mâle, soit une femelle. Le Barthénois nous rapporte que, comme ça c'était statistiquement parlant, les gens apportaient pour les mâles, ils les apportaient en hola, et les femelles, ils les apportaient comme ça. Comme ça, le Barthénois semble proposer la solution de Mishnah. D'accord? Et sur ça, maintenant, on a un nouvel avis, qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, attention. Araoui les psachim, ce qui est apte à être un korban pesach. Psachim kodem la regel shloshim yom. On va supposer que c'est un pesach, c'est un korban pesach 30 jours avant. Alors le pesach, c'est soit un agneau, soit un petit chevreau qui a moins de 1 an et qui est mâle. Attention, je t'ai dit juste avant que ce qui est un mâle, alors en général, c'est une ola. Une femelle, c'est un shlamim. Là, quand on est 30 jours avant pesach, étant donné que cette fois-ci, tout le Israël se soucie déjà d'avoir son petit agneau, alors, du coup, on va supposer dans le doute que c'est un korban pessah, tu le trouves, tu le prends pour toi, et tu vas l'offrir en korban pessah. Voilà la Mishnah telle qu'elle expliquait dans le Barthénois. Maintenant, la Gemara dans Kiddushin, ça apporté dans tout Sotium Tov, elle bombarde de questions. Qu'il n'est pas question de faire une chose pareille, d'apporter un shlamim. Je t'ai dit, on va commencer avec le premier, avec un zahar ola, tu vas supposer qu'un mâle, c'est une ola, ça peut aussi être une shlamim, ça peut être encore toutes sortes d'autres korbanotes. Du coup, la Gemara, elle nous dit qu'en réalité, il n'est pas question que tu vas prendre l'animal tel quel et tu vas le porter en haut là. En réalité, c'est si tu veux faire une bonne chose, lui évacuer la kdoucha qu'il est à tes frais,
Ça va te coûter bien cher même d'ailleurs. Alors tu as trouvé un mâle. Alors viens, on va calculer les éventualités. Peut-être c'est un stam, un shlamim. Peut-être c'est une ola, peut-être c'est un shlamim, peut-être c'est un korban toda. Donc déjà, tu as trois possibilités. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas patienter avec ce mouton jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut qui va plus, il va être inapte à monter sur le misbéach. Du coup, lorsqu'il sera plus apte à monter sur le misbéach, tu pourras lui racheter la gdoucha. Et donc tu vas apporter maintenant tes trois animaux. Et tu vas dire, si c'est une ola, je transfère sa gdoucha sur celui-là. Si c'est un shlamim, je transfère sur l'autre. Si c'est une toda, je transfère sur lui. Si c'est un toda, il faudrait que j'apporte aussi des 40 mains avec. Et après, je dis, et si toutefois, bon, c'était un des trois, mais ce n'était pas les deux autres, alors les deux autres, ils sont de toute façon kadosh. Et puis moi, à mes frais, je vais apporter trois korbanot au Beth Amikdash. Et comme ça, j'ai réussi à résoudre le problème que la gdoucha qui était sur l'animal, il a maintenant été racheté et qui va monter sur le misbéach comme il fallait. J'ai pas d'obligation de le faire, je pense. Comme ça, j'ai pas ouvert les mains dans Kiddushin. Mais comme ça, j'ai compris que j'ai pas d'obligation de le faire. Comme ça, je suis parvenu à libérer la gdoucha. Vous allez me dire, il y a d'autres korbanot. Alors, les autres korbanot, c'est plus délicat. D'abord, khatat, c'est pas possible parce que khatat, c'est qu'une femelle. Ça peut être un pessar, mais non, dans l'année, c'est plus un pessar. Ça peut être quoi encore? Hacham. La Gemara, elle explique que des hacham. Non, hacham, il faut qu'il ait 2 ans. Benchteshanim, là, on insiste. Sauf le hacham gzela, hacham metzora et hacham nazir, qu'eux, ils sont de 1 an. Mais, dans ce cas-là, on a gagné que c'est des choses qui sont tellement rares que cette fois-ci, on va plus les craindre. C'est comme ça qu'on résout le problème du mâle. Donc, en fait, il n'y a pas question que tu l'apportes lui directement. Et pour la femelle, alors, de nouveau, on va supposer. Alors, on va pouvoir supposer plein de choses. Ça peut être. Peut-être que c'est une khatat. Sur ça, on dit non, la khatat, elle doit avoir que jusqu'à 1 an. Et là, on remarque que c'est un animal qui a plus d'un an. Si elle a réellement moins d'un an, on ne pourra pas en faire un korban khatat. Et on parle d'une solution pareille, de nouveau. Alors, ça peut être soit un shlamim, soit un khatat, ou une toda aussi. Et donc, tu amènes dans le doute, et tu rachètes la gdoucha dans le doute. Tandis que pour Rabbi Yehuda, par contre, personne ne fait de remarque que selon Rabbi Yehuda, alors dans le doute, tu pourras réellement l'apporter en guise de korban. Sachim pour toi, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout, c'est là.